Et eux, ils veulent pas réparer notre petit tracteur? On les avait achetés chez eux, ça? Ah non, on les avait pas achetés chez eux, on l'avait acheté à un particulier d'occasion. Mais c'est vrai que maintenant qu'ils le disent, il y a une nouvelle concession Kubota qui vient d'ouvrir, on aurait peut-être dû aller là en premier. Hein. C'était pas un autre concessionnaire avant? Enfin, une autre marque? Si, c'était une autre marque, mais ça a été repris par Kubota et ce... Ah, je vois ça, tu sais, t'as déjà été, toi? Non, jamais. Ah bah, moi non plus, ça va être la première fois, tiens. J'espère qu'ils vont être... Bah écoute, ouais. Qu'ils vont nous prendre. Bah tant qu'à faire, en plus nous qui sommes à la recherche d'un nouveau tracteur, on n'a pas encore de Kubota à la maison, tiens. Non, bah après, s'ils proposent des choses... Bah je sais pas, après c'est peut-être pas très... On va bien voir, déjà qu'ils nous réparent notre petit tracteur là pour notre jardin, ce serait déjà pas mal. Hop. Bah je sais. Eh, c'est fameux quand même, hein, pour du Kubota, Minga. Il est... Tu vois quel grain, toi? Non. Alors moi je veux bien, ils nous ont dit de venir ici, mais s'il y a personne... C'est ouvert ou pas? Bah je sais pas, oui bah... Non, il se barre comme ça, il est ouvert, je pense que oui c'est ouvert. Ouais, tu vas m'ouvrir la porte? Et franchement... Ah oui d'accord, t'es même pas capable d'ouvrir une porte tout seul. Je vois que t'es dans une humeur gentille aujourd'hui, donc je te remercie. Écoute, franchement je te remercie. Ah, attends, il y a quelqu'un. Ah il est là. Bonjour monsieur! Putain que ça me saoule cette machine là moi. Bonjour! Ça va? Bonjour, ça va et vous? Eh ben tranquillement. Du coup ouais, on vient de la concession CAS Newland John Deere et bah ils nous ont dit de venir chez vous parce qu'en fait on a un micro tracteur Kubota qui est en panne. Ouais, je vois ça, on va aller le voir. Et on savait pas que... Enfin on savait qu'il y avait du Kubota mais vu qu'on a toujours été chez eux pour le réparer, on n'est jamais venu ici. Ouais bah on va regarder ça. Et eux ils nous ont dit de venir ici donc voilà. Bah de toute façon en même temps là-bas c'est John Deere, hein, ça vaut pas... Je travaille là-bas avant et franchement enfin... Bas de gamme comme ça, moi ça m'énerve, je vais me travailler là, c'est plus intéressant. Donc vous dites que Kubota est supérieur à John Deere? Bah carrément, ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a... Et en plus on est moins cher, ah, très important. D'accord, attendez je vous le descends. Je peux vous le pivoter, alors il démarre encore mais il fait un bruit bizarre en fait. Tout le temps, il nous l'a déjà fait 2-3 fois et... Ouais bah on va essayer, hein, on va bien voir. Ouais. J'essaie de voir ça. Bah allez-y. Hein. Y a moyen de baisser ton plateau? Ouais. Ah c'est bon là. C'est bon? Ouais. Allez-y. Attention. Ouh, bon effet. Oula. Allez, je vais le descendre quand même. Ah, on va pas aller trop loin. Ah, faut aller doucement. Hein. Ouais, en effet, c'est pas un bruit très terrible d'histoire là. Ouais. Et ça fait longtemps que ça fait ça? Bah 3 jours Patrick, non? Ça fait pratiquement une semaine. Ouais, peut-être une semaine. Et vous roulez? Et vous roulez comme ça pendant une semaine? Bah ouais, on avait pas trop le temps, on a pas le choix, on a que celui-là pour faire les jardins, donc voilà quoi. Ouais, bah je veux bien regarder ce qu'il a. Nettoyé par contre, mais... Oui. Ouais, mais le problème est pas de là, hein, je vous le dis. Je veux bien regarder ce qu'il a, mais à mon avis, enfin ça va coûter trop cher de le réparer, hein. Faites comme vous voulez, mais... Ouais, non, mais... Je peux regarder, mais... Ah, ouais. Bah de toute façon, Ouais. Enfin pour vous, vous pensez que ça viendrait de quoi le problème? Ah pour moi ça vient de la boîte. Pour moi, il y a un problème dans la boîte. Ah ouais, alors ouais, c'est la merde, là. Ah, à mon avis, ouais. Ça va vous coûter... La boîte va coûter cher que le tracteur. Bah, de toute façon... De toute façon, bah, nous, on sait pas qu'on est dans le paysagiste, hein. C'est juste que, bah, on a un grand terrain à tondre. C'est pour ça qu'on en a pour 2-3 jours à le faire. C'est pour ça qu'on a pas trop le temps de venir. Mais sinon, on est à la recherche, justement, d'un plus petit... Enfin, d'un plus gros tracteur, mais... justement, pour la ferme, quoi. Ah bah, après, vous tombez bien, parce que... T'éteins de la voiture. Ouais. Ouais. Vas-y. Après vous tombez bien parce qu'on a des arrivages qui sont arrivés là. Ouais je vois ça, là, c'est bien chargé concession Kubota. Ouais on est bien fourni en ce moment là. On pourrait tester peut-être. Enfin, ouais qu'est-ce dépend. Que... Bah je sais pas qu'est-ce que vous avez en gamme, ouais bah ce serait plus pour Il en faudrait un petit pour remplacer celui-là et après un plus gros pour les choses. Non mais Patrick, un pas deux, t'es malade ou quoi? Bah celui-là on le remplace aussi. Ah tant pis hein, tu couperas l'herbe au sécateur hein. Ah oh oui, puis quoi encore? Donc un petit et du coup un peu gros pour les voilà, champs. Voilà, ouais. Ouais, bah je vais vous montrer ce que j'ai, on peut commencer à aller devant là-bas. On va dire niveau des champs, ce serait plus pour un 110 chevaux quoi. Et voilà. Ouais, je vais d'abord vous montrer la petite gamme qu'on a. Ah ouais? Alors, c'est un peu comme le vôtre, bon, par contre il y a la cabine quoi. Ah bah tiens, c'est on encore mieux. Hein. Donc là on a deux. Donc on a deux. Enfin, c'est du M5. Ouais. On a un petit qui fait 91 chevaux. Ouais. Et on a un qui fait 110. Donc celui à gauche, ah oui, ok, le 111. Ok. Voilà. Ah ouais, ça irait bien pour le broyeur là pour tondre. Hein. Donc là, c'est peut-être un peu trop gros. Mais moi, bon, ça va, c'est pas. Ouais, c'est peut-être non, un peu plus gros, mais ça irait. Ça tire, hein, je pense. Là, ah oui, ça tire.
Et puis c'est tout est mécanique, hein. Y a rien d'électronique là-dedans. Ah, c'est ça du, c'est tout, bien tout ça. Ah ouais, ça c'est cool. Voilà. Ça. Là on est sur du simple, y a pas de problème. Ok. Donc, Ah, on c'est a cool. ça. Voilà. On pourra aller regarder après si vous voulez. Ouais, ok. Et du coup, après, vous partirez sur combien de chevaux du coup? Bah, je sais pas, ouais, 110, c'est pour faire un petit peu le valet de ferme. Donc, même avec là, je vois qu'il y en a avec un bâti chargeur. 110, ouais, mais alors peut-être plus. On est sur quoi? Attendez, parce qu'il vient d'arriver, alors. Ouais, non, on va avoir du M6 là. Donc, on a le M6 qui va se trouver là, Ouais. avec chargeur. Ouais. Donc, là, pareil, hein, c'est un 110, pareil. 110, ouais, À ça tout, ferait bien ça. voilà. Voilà, après vous avez la même puissance à côté quoi, donc c'est un peu dommage de prendre deux fois la même puissance quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est niveau juste du Ouais. gabarit que ça change un peu, quoi. Voilà, parce qu'après si vous voulez j'ai un M7 qui est un peu plus loin, Bah, c'est quoi niveau qui fait des prix aussi, quoi? 130 chevaux. Ah bah ça faut aller dans le bureau pour voir, j'ai pas Ouais, tout en tête. Hein. ok, ça va. Le PC est là-bas donc on pourrait voir. Déjà ce qu'on peut commencer par faire déjà c'est essayer déjà les véhicules déjà. Ouais. Ça mange pas de pain. Tout à fait. Donc Ah, les vous voulez M7 sont commencer par sympas, lequel? hein. Bah, le petit déjà, je pense, Patrick, Le t'en petit penses quoi? là-bas? Ouais, pour voir si ça irait bien, comment on est dedans et tout. En tout cas, c'est sûr qu'il sera plus confortable que le nôtre, Quoi, du coup, le petit ou tu prendrais directement hein. avec l'avant? Hein? Tu prendrais celui-là ou le petit? Bah non, t'as dit deux. Bah non, mais si on prend le petit, on va pas prendre celui-là. Il a raison, pour 10 chevaux d'écart, Ouais, ça vaut mais pas trop le celui-là, il a coup. un avantage devant. Ah, mais Et un bon. chargeur? Il y a le chargeur, Oui. d'accord, mais tu te vois déjà le jardin avec ça, toi? Non, Non. mon cher... On en prend un autre pour tondre. Non, Oui, mais non. mon cher monsieur, vous avez un chargeur aussi au tracteur si vous voulez. Oh, mais là, c'est un peu trop gros. Alors, soit on en prend un qu'on pourrait tout faire avec, donc en l'occurrence le M7 là-bas, soit Après, on si prend vous qu'un voulez, petit, quoi. j'ai ici là. Non, c'est pas ici. Je me trompe pas. Je suis en train de m'enfoncer. Voilà, là j'ai un M6 aussi. Ouais. Et là, il est à 140 chevaux celui-là. Ah ouais, ça peut être sympa aussi. Bah, il y a moyen de prendre l'option bâti chargeur dessus, je suppose, sur Ah celui. oui, bah après oui, on peut Ouais. la rajouter ou je peux en recommander un qui peut arriver avec chargeur. Ah bah ouais. Bah, vous savez quoi? On peut déjà aller tester quand même le petit, hein. Ouais, mais si peut-être si chacun de vous, si vous voulez voir Ah, ce que vous en on peut pensez. prendre les deux? Oui, bah allez-y, bah pas trop loin quoi, mais allez-y, Et vous on peut essayez. faire quoi? On roule juste dans la cour? Bah déjà quand vous aurez fait le tour de la cour, déjà vous aurez bien essayé. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, Patrick, tu démarres? Bah, doucement, hein. Il va le noyer. Doucement. Mais comment vous faites? C'est normal, monsieur. Pense à embrayer. Oh là là, c'est une catastrophe. Hein. Oh là là, il m'inquiète. Hein. Ah ouais, on est quand même bien mis dedans, hein. Bah, c'est le but. Eh, la vache, on est super bien mis dedans, hein. Ah ouais, ça change du petit de petit qu'on a. Hein. Il y a combien de vitesses? 6 vitesses? Ah ouais, c'est tout manuel, donc même pas de gamme, même rien, quoi. Tout est en mécanique et donc ça évite les soucis. Ah, ok. Électrique, dis-moi. Ah bah, c'est cool. On peut peut-être le tester. Vous avez pas un truc à faire ou je sais pas, peut-être le voir un peu galérer Bah. sa race? Eh ben, vous me dites que c'est pour faucher de l'herbe. Ouais. Bah, si vous voulez, j'ai un broyeur qui est juste. Alors, faut que je le retrouve dans mon bâtiment parce que c'est un peu le souk en ce moment. Ouais, ça va. Arrêtez, venez avec mon bâtiment. Vous prenez le 4 d'abord, le 90 plutôt pour être sûr de Ouais, tester la puissance. voilà, ouais. Ouais, vas-y. Vous le rangez, le tracteur? Sans m'écraser, mais par contre. Voilà, Ouais, allez, venez avec moi. c'est un gars dangereux. Hein. Il est juste là. Et je suis. Voilà, il Ça est monte juste à combien, là. 45? Ouais. Ah ouais. Hop! Vous me l'attelez? Vas-y, oui, vas-y. Vas-y, encore un peu, encore un peu. Hop. Vas-y, c'est bon, on peut avancer. Ok. Eh, franchement, j'ai l'impression que j'ai conduit des Kubota toute ma vie. Mais je vous l'ai dit, c'est Migo Gender, je vous l'ai dit. Impec. Je dénigre pas le voisin, mais bon, quand même. Bon, bah, du coup, on va aller essayer. On va aller Ouais, voir vous ce que. avez un truc pour tourner? Oh, juste à côté, on a un terrain pour la concession pour Ah bah tester les ok. machines, tout ça. Donc, je prends un petit véhicule là-bas avec votre collègue, et puis vous me suivez? Ça marche. Ok, c'est parti. Allez, venez avec moi. Faites gaffe à lui, hein, parce que... Oui, il conduit pas. Ah bah, ça va le faire. Eh, c'est vrai qu'on est bien mis dans le petit Kubota là, franchement, je suis très content. Bon après, soit on part sur un petit et c'est tout, soit on part sur un moyen et c'est tout, quoi. Je sais pas, faut voir, ou alors deux petits, je sais pas. Soit deux petits, soit un plus gros, j'en ai aucune idée. Il faut que je vois les prix aussi que c'est, quoi. Ok, bah c'est par là. Hop. J'espère que c'est pas très loin.
Ah ouais, on est... Eh là, par contre, quand tu prends de la vitesse, qu'est-ce qu'on est mieux. Déjà, tu vas beaucoup plus vite que notre ancien, et puis qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Ah, c'est là. Ah bah ouais, là, il a de quoi tester, mon dieu. Et là, il va couper l'herbe n'importe comment. Bah non, pourquoi. Bah, regarde, là, c'est même pas droit. Oh, et qui, là... qui c'est qu'il faut en général chez vous. Nous deux. En général, c'est moi. Oh, bon, oui, ah bah. Deux. Alors, il met à peu près une heure avant de venir, et ensuite, il ne fait pratiquement rien. D'accord, ok. Bah, c'est parce que bon, je vous ai dit, on a une grande propriété, hein, ça on s'en sert juste pour tondre, hein, et on dirait qu'il fait tout ça la semaine, mais c'est pas vrai. Hein. Ah. Ouais, bon, bref, vos histoires de ferme, voilà. Bon, c'est bon, ça marche. Attendez, je pense. Eh, vous pensez que si je la mets en 1000 tours, c'est une bonne idée. Ah, bah non, il y a que 540 sur ce tracteur là. Bah voilà, c'est réglé. Ah, bah ça va, ça fauche bien. Hein. Heureusement. Eh, franchement, impeccable. Hein. Et franchement, ouais, nickel. Combien on peut aller avec ça pour... Jusqu'à 10, 10 km/h. Ouais. Je veux pas aller trop vite pour pas casser votre matériel non plus. Non, c'est un test, hein, c'est pas non plus... Ah bah franchement, ouais, c'est... franchement, c'est nickel. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est la confortabilité, quoi. Ah bah voilà, Kubota a fait un gros effort sur le confort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a remonté en gamme... C'est assez intéressant au niveau gamme, quoi. Ouais. Bah, soit, justement, j'étais en train de me poser la question, soit en fonction du prix, on part sur deux petits, enfin deux petits, un comme ça et le plus gros, le plus gros gabarit, je crois que c'était le M6, il me semble. Et On avait le M6, ouais. Et soit, sinon, ouais. Bah, on en prend qu'un et c'est le M7. Ça, c'est à voir. Mais ouais, mais le M7 pour broyer, ou alors vous réparez l'ancien, alors. Bah voilà, faut enfin, réparer l'ancien, ouais, c'est ça. Avoir l'ancien, au pire, faut aller jouer avoir ce qu'a l'ancien pour voir qu'est-ce qu'on fait vraiment. Ouais. Déjà. Bah, je pense, moi, je serais plus parti sur. C'est vrai que l'ancien, ça me fait un peu chier de retourner avec, donc moi, je serais plus parti sur celui-là et un petit M6, quoi. Ouais, bah, on va d'abord essayer d'avoir le M6 pour voir. Par contre, il faut qu'il s'arrête, lui, hein. Tu vois, je vous ai dit que c'était un. Il est parti où? Je sais pas, il part sur l'autoroute avec, hein. Ouais, donc. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est une catastrophe, hein. Jamais le laisser tout seul, hein. Je sais même pas comment mais il vous a. Êtes... Vous êtes associé ou vous êtes comment ça m'a fonctionné? Ouais, on est associé, mais c'est une calamité. Hein. D'accord. Bref, on va attendre. Et là, vous avez quoi comme tracteur avant? C'est chez qui avant? Chez John Deere? Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'on allait là. John Deere. Et, ah, d'accord. On en a toujours, hein. On n'a pas que celui-là. Enfin, on n'a pas que le petit là, on en a toujours, vu qu'on tient quand même une ferme. Mais on a des ouais, c'est pareil, c'est des gammes genre 6M. Comme ça. Quoi. Ouais, des valets de ferme, quoi. Ah, bah le voilà, tiens. Ouais. Vous pouvez mettre un tracteur, s'il vous plaît? Ah, merci. Du coup, ce qu'on fait, c'est que le tracteur, on le laisse. Et puis moi, je vous ramène avec mon véhicule. Ouais, ça va. On le laisse là. On va ramener après. On va. Okay. Parce que j'ai un autre collègue qui va venir. Enfin, un autre client qui va venir sur mon essai aussi. Donc, okay, autant le laisser là. Vous avez beaucoup de ventes sur ce genre de gamme? Ça commence. Après, c'est une nouvelle gamme. Donc, faut que ça prenne. D'accord. Que ça démarre, quoi. Tu vas devant, Patrick? Ah, bah voilà. Hop. Merci, Patrick. Oh, je vais te laisser l'honneur. Allez, en route, les amis. En route. Sympa, ce petit gator. Bon, après, c'est vraiment genre type concession. C'est... quoi. Après, enfin, c'est pas un gator. Désolé, c'est pas un gator, monsieur, mais bon, j'ai l'habitude avec John Deere. Ouais. Après, c'est du gadget, hein, je vais pas vous mentir. Ouais, voilà, parce que nous, ça va nous servir à quoi À part quand Patrick revient du bar, peut-être, et encore. Comment et ça encore. Je te rappelle qu'à chaque fois, on y va à deux. Ah, justement. Au moins, là, on prendra l'air. Hop. Voilà. Nickel, franchement, c'est, donc, vrai, c'est pratique. Alors, du coup, je vais laisser monsieur Kaiser deuxième là, le broyeur, on va faire l'inverse. Ouais. Et donc, du coup, c'est le premier, il me semble. C'est ça, hein, ouais, ça c'est le chaud, voilà, ouais, à peu près. Bah, ouais, celui-là, voilà. c'est très bien, ouais. Vas-y. Et faut avoir confiance, ça, je vous ai dit. Au moins, il a embrayé, au moins, cette fois-ci. Ouais. Bon, allez, hop. Ah, il avait pas embrayé tout à l'heure. Mais là, on n'embraye pas, c'est pour ça. Ah, ouais. Suivez-moi. On va courir un peu parce que... Eh, vous êtes malade, vous allez mettre un outil pareil là-dessus? Mais bien sûr, mais je vais vous montrer que ça marche. Mais attendez, sans masse.
Oui, normalement, oui, bah on va essayer, on va voir. Par contre, j'ai jamais essayé d'avoir. On va voir. On va aller jouer à tel parce que. Il reste quoi, c'est là-haut. Oh là là, j'ai pas confiance, hein. Ah bah ouais, ça marche. Bah en même temps, c'est normal sans masse. Ouais, bon, allez, on va mettre la masse. Ah bah ouais, parce que là, pas possible. Ah bah voilà. Oui, mais attends, il rigole ou quoi? Ah mais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une masse de combien de kilos là? Bah je vous montre que ça marche. Et ils font quand même des beaux chargeurs, hein, Cubota. Attends, c'est bon, j'attelle. Ils font quand même des bons chargeurs, Cubota, l'air de rien. Ouais, vous avez vu? Il peut lever le collègue, merci. Ouais, c'est bon ça. Alors, lève un peu l'outil arrière là. Ah bah ouais, là ça fonctionne tout de suite mieux. Non, mais ça va jamais tirer, vous avez vu le bordel que ça fait derrière là? Bah écoutez, on va essayer, c'est une nouvelle gamme là qu'ils m'ont proposé de vendre ici, donc je vais voir ce que ça vaut. De quoi, les M6 là? Oui. Ah d'accord. Non, pas M6, les déchômeurs. Ah ok. Voilà, les déchômeurs comme ça, c'est une nouvelle marque qui vient nous voir, nous démarcher, donc on va essayer. Ok, bah allez go. On va profiter. Bon, je vous ramène avec mon... Ouais, bah on va en gator. Oh, enfin, excusez-moi, en voiturette. Oula. Ouais. Mais on va courir un peu, mais là, par contre, le laisser tout seul, là, ça va être... Mais si, vous inquiétez pas. C'est loin ou quoi? Ça va bien. Non, juste... On va plus là, à pied. Attendez, je vous emmène à pied, c'est juste là. Ah bah ouais, bah ouais. Allez, voilà, même pas si des voitures, moi je suis tellement habitué à être tout seul dans le coin. Vas-y, Patrick. Par contre, c'est sur du labour, hein. Alors on va essayer. Ça va être un peu plus mou en plus. Ouais. Allez, doucement. Oh là là, il rentre dans le champ comme si, hein. Bon, alors déplié avec hydraulique. Ah bon, il sait comment ça marche, je pense. Bah oui, c'est bon, normalement il l'a fait. Voilà. Ça va être un peu dur pour le tracteur, je pense. Ouais. Allez, go. Oh là, quoi que non, hein. Oh, il envoie quand même de la patate avec. Ah, oui. Quand je vous dis qu'avec Cubota, c'est beaucoup amélioré. Je m'y attendais pas à ça. Et moi, je fais ça avec mon 6M, je reste enterré, hein. Mais normal, John Deere, plus t'accélères, plus tu t'enterres. Ça je m'enterre. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, on va pas les critiquer, chacun son. Voilà, chacun sa marque. Ouais, mais franchement, ça me donne envie là d'acheter du Cubota. Mais voilà, on est sur un 140 chevaux, ils m'ont vendu, enfin, ils m'ont prêté pour une gamme de 180 chevaux, je tente 140, ça marche. Donc voilà, Cubota. Ah bah, franchement, c'est nickel. Ah ouais. Bah désolé, j'ai dû aller pisser. Ouais, bah il a fait l'aller-retour, c'est pas ouais, mal. Ouais, bah il va me le laisser un peu que je teste, hein. Bah faites pas tout le champ, parce qu'après j'ai un de vos collègues qui va venir aussi essayer, hein. Ah bah on a pas de collègues, nous. Que des connaissances. Ouais, c'est pareil. Il fait le même métier que vous, donc... Tu me le laisses, Patrick? Il l'a éteint, faut pas l'éteindre. Là, il l'a éteint, par contre. C'est pas possible. Oh là. Et l'essence, alors? Bon, t'en penses quoi? Mais... Bah, il est pas mal. Ah bah, c'est bien. Je pensais pas qu'il tient si bien. Ah ouais, c'est quand même... Ah, il y a quand même un peu plus de gadgets que l'autre, hein. Ah bah oui, c'est rien au-dessus, là. Hop. Faire demi-tour. T'as un peu moins... T'es un peu moins manuel que l'autre, tout ça, si? Ouais. Non. Oh, quoi que ça va, ça reste assez manuel, hein. Ouais. Pas de pas de... L'électronique, non, chez Cubota, non, pas trop, non. Hop là. Bon, je peux refaire un aller-retour? Ouais, allez-y. Allez, c'est parti. Et franchement, je suis sur le cul, quoi. Jamais, mais au grand jamais, j'aurais pensé qu'un Cubota tirait autant, quoi. Bah après, il m'a juste à voir le prix, mais d'après ce que je sais un petit peu de Cubota, c'est pas très cher. Comparé à du John Deere ou quoi, donc je vais bien voir. Mais franchement, ça me fait plaisir, hein. Hop là! Ça se conduit tout seul, ça marche super bien, bah franchement, nickel. Alors, un effort, t'as laissé un mètre sur le côté, hein. Oh bah et alors, je peux pas tout prendre, faudrait refaire un aller, hein. Mais bon. Non, mais c'est pas grave, c'est une parcelle test. Ouais, ça va. On rentre... Bon, ouais, allez-y, rentrez. Ok. Ah bah go. Ah, c'est cool, en plus, il a des parcelles pas très loin de sa concession, comme ça, on peut vite tester, ça c'est cool. Chez la concession de John Deere là-bas, j'avais pas eu ça. Enfin, j'avais pu les tester, mais pas autant qu'ici, ça c'est vrai. Franchement, c'est quand même assez bien. Bon, je veux lui... Oula.
Wow. Ouais, bon, même avec la masse devant, tu sens qu'il faudrait un, quand même un plus gros gabarit pour tirer ça, mais il a voulu pousser son tracteur à l'extrême et il a bien eu raison, ça marche quand même assez bien. Hop. Voilà, on va reculer ici, comme ça je vais lui laisser là où je l'ai pris. Tac. Impeccable. Bah du coup on fait quoi, on achète ou on achète pas? Bah celui-là est quand même stylé, hein, non? Alors moi, bah selon les prix, je pense qu'on part sur le petit et celui-là, les deux qu'on a testé, t'en penses quoi? Le tout petit, le 91? Bah ouais, parce que... Par contre c'est où qu'il faut aller? Bah je sais pas, dans ses bureaux, attends, je veux voir. Ah, ça a l'air d'être à l'étage. Là où il était. Oui, mais ça a l'air d'être à l'étage. Ah, il y a des vitres. Du coup, si niveau du prix, on pourrait prendre le tout petit et celui-là. T'en penses quoi, Patrick, au lieu de... On s'en fout de sa moto, t'en penses quoi? Bah oui, on peut. Ok. Bon, dans tous les cas, on est venu pour acheter, donc c'est par là. Oui. Ouais. Non, non, donc, il y a le chimie. Ouais, parce que après, si on prend un gamme M7, ça va être trop gros pour nous. On va, ça va nous servir à rien. On a déjà un plus gros tracteur pour faire ça. Ah. Ah bah lève là. Ouais, ça y est, je suis là. Ouais, j'ai pris un peu d'avance. Ouais, bah j'ai vu ça. Elles sont sympas vos bureaux. Hein. Ouais, j'ai vu ça propre quand même. Ouais. C'est le tracteur. Donc, Ouais, on a laissé le tracteur là où il est, enfin là où on l'a pris, ça va. Non mais je vis, tout à l'heure j'en ai besoin, tout à l'heure de toute façon, donc... Ça va, ça va. Donc voilà. Le niveau du prix, bah je pense qu'on va partir sur, enfin en tout cas nous ce qu'on veut c'est partir sur les deux là. On a testé. D'accord. Ouais. Ah, combien? Et du coup vous faites quoi avec l'ancien alors? Je suis toujours dessus mais est-ce que... Bah l'ancien, si c'est un problème, on vous le remet. Vous le reprenez combien? On vous le remet. Ouais d'accord, ok. Donc j'ai regardé un peu vite fait les... Bah les tracteurs vite fait, enfin ce que je peux vous faire comme prix. Ouais. Donc sur le petit, ce 90 chevaux, je serai à 45 000 euros, hors taxe évidemment. D'accord. D'accord. Et après donc je vais chiffrer deux M6. Donc j'ai un 140 chevaux à 80 000 euros avec batterie de chargeur. C'est celui qu'on a testé chargeur, là, mais... 140 chevaux c'est celui qu'on a ouais, testé. C'est celui qu'on a testé celui-là. Et je peux l'avoir aussi en 130 chevaux à 75 000 euros avec batterie de chargeur, toujours. Oui. 75 000. Bah, donc, voilà, après, avec 5 000 euros d'écart, ça change voilà, pas non plus. Si tu veux une remise, on en prend en deux. Ouais, si on vous prend les deux, avec le bâti de chargeur, on viendra combien avec votre prix à vous? Chargeur à côté, chargeur neuf, c'est 9 000 euros. Ça, on peut pas. Le bâti, c'est juste le support au tracteur. Hein. Vous êtes bien d'accord? Oui. Voilà. Bah, après, faut jouer avec mon chef. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a les deux? Moi, je peux pas. D'accord. C'est pas vous qui décide de ça. Attendez, tenez, c'est notre carte. Ouais. Vous pouvez nous envoyer un devis directement sur notre boîte mail. Ouais, d'accord, ok. Bah, je vous envoie un devis avec ouais, le pack pour les deux, parce que vous dites bien. Alors, le petit qu'on prend au niveau du M5, c'est le 90 chevaux, c'est ça? On avait testé Ouais, c'est ça, on avait testé, ouais. Voilà, ouais. Et bah, du coup, le 140 avec batterie de charge. D'accord, et chargeur avec. Et chargeur avec. Ouais, je vois ça, je vous fais un. Je vais déjà vous chiffrer ça, après, je vais voir avec mon chef, comme il y a deux tracteurs, ce qu'on peut faire. Ah bah. Et puis voir combien qu'on vous reprend le petit. Ouais. Le petit. Bah, pour le moment, on vous laisse. On le laisse et Ouais, mais je vais le garer, je rentre à l'abri. Puis... Ouais, on va y aller, ouais. Exactement. Ouais. Bon, bah, allez-y, on vous raccompagne. Voilà. Allez-y. Bah, merci pour cet accueil, hein. On a été bien reçu chez vous, en tout cas. Bah, de rien, merci à vous de. Peut-être un futur client. Ouais. Ce serait bien. Première fois qu'on aurait du Kubota. Bon, si, à part le petit tracteur, mais je veux dire, en agricole, ouais. On n'a jamais eu de tracteur. Ah bah non, je vois que vous avez un nouveau client. Il devait venir. Ah bah ok. Non, ça marche. Bon bah ça fait un plaisir. Ouais, bah moi aussi. Ouais. Bah je vous transmets le mail je pense dans la semaine. Ouais ça marche, pas de soucis. Et puis après vous me rappelez ou vous passez et puis on voit ça. Ça va, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Bon bah vous, chez vous. Ouais, merci, moi aussi. Allez Patrick, au boulot.